Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. N'y a-t-il pas meilleure introduction, les amis? Vous l'avez reconnu, bien entendu, il s'agit de Zelda Breath of the Wild. J'ai décidé de le recommencer et surtout de le finir parce que je ne l'ai jamais fini. Tout ça, tout simplement, pour être à jour avant la sortie de du suivant, The Tears of the Kingdom, qui sort le 12 mai. Donc, je suis parti pour cette nouvelle aventure de ce jeu. De ce jeu, les amis, qui est pour moi le meilleur jeu, tout jeu confondu, sur la Switch. Donc, on va être ensemble, les amis. Alors, je vais faire quelque chose d'assez particulier. Je ne vais pas faire toutes les vidéos de gaming, car ce jeu nécessite des centaines d'heures pour le faire vraiment complet, à fond. Et je n'aurai pas le temps de faire toutes les vidéos. Par contre, je vais faire quelque chose d'assez original. Le prologue, le premier et le dernier épisode. Donc, je vais faire, je pense, trois vidéos. Les deux premières vidéos, ça sera pour toute la partie plateau du prélude. Et ensuite, on fera un grand bond, un très très grand bond en avant, des dizaines et des dizaines d'heures de gameplay plus tard, où nous serons sur l'épisode final, l'affrontement final avec Ganon le Fléau. Mais pour l'instant, Link se réveille, il ne sait pas encore où il se trouve, et on débute l'aventure. Tablette Sheikah, il l'a reçue. Oh, cette tablette Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Eh oui. Qui est cette voix? Vous en doutez, il s'agit de Zelda. C'est tellement classe. Il est en caleçon, le pauvre Link. Il faut qu'il trouve des habits. Et on va faire ça rapidement. Alors, pour ces vidéos très très particulières, je vais faire également quelque chose que je ne fais pas souvent, à savoir ne pas trop parler. Il n'y aura quasiment pas de commentaires dans cette vidéo pour en apprécier le gameplay à sa juste valeur. Donc là, ça y est, on a trouvé le pantalon. Et là, je pense, voilà, la vieille chemise. Pour l'instant, eh bien, pas énormément en termes de défense. Mais au moins, il aura quelque chose à se mettre sur le dos. Donc dans cette vidéo, eh bien, ce qu'on va faire, c'est explorer, faire les premiers pas sur Hyrule, faire la rencontre d'un homme très très étrange, activer la première tour et faire, je pense déjà, un sanctuaire. Laisse-la t'ouvrir la voie. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route. Et alors là, les amis, ça me fait toujours autant de frissons lorsque Link sort et découvre le monde. Regardez, la musique, l'environnement. Et là, vous avez le générique qui apparaît. Le générique, plutôt le logo des Legend of Zelda Breath of the Wild. Ça méritait bien une capture et c'est vraiment magnifique. Tout cet univers, ce vaste monde ouvert qu'il faut découvrir. Toutes ces énigmes à remplir, ces noix Korogu à trouver, il y en a 900 disséminées sur tout Hyrule. J'ai jamais joué à un jeu aussi complet, aussi vaste, aussi bien fait,
aussi poétique. Bref. Breath of the Wild. En tout cas, non, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et vous le savez sans doute déjà, puisque je suis certain que vous êtes très très nombreux à y avoir déjà joué. En tout cas, nous, dans la famille, on est tous les quatre de très très grands fans. Tous les quatre ont joué ou jouent actuellement à ce jeu. Même le petit dernier, Théo, qui n'a que 6 ans, est déjà, eh bien, maître dans le maniement de l'arme dans Breath of the Wild. Allez, je vous laisse tranquille. Et on apprécie le prologue de ce jeu. Hache de bûcheron, une première arme pour nous défendre, et ça sera pas de trop. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ok, ça sera donc notre première destination. Mais pour l'heure, j'ai bien envie
d'explorer cette vieille ruine. Oh, un vieux gardien, il est magnifique celui-là. Complètement inoffensif. Une statue de la déesse. C'est ici qu'on va pouvoir prier pour augmenter nos capacités dès qu'on aura fait les 4 sanctuaires. L'arc du voyageur, le premier arc, et on en aura plein d'autres tout au long du jeu. Excellent. Par contre, pour l'instant, eh bien, pas de flèche. Arc de soldat, lui il est déjà beaucoup mieux. Oh la vache, j'allais utiliser la paravoile, mais je l'ai pas encore. Faut faire attention au début du jeu, vous ne pouvez pas voler. Il va falloir attendre un petit peu avant de l'obtenir. Allez, on va se diriger tranquillement vers notre objectif, vers le point qui clignote sur la carte. Ouais, non, je peux pas sauter, vraiment, il faut que je descende par l'échelle, là, sinon, c'est la mort assurée. Et cette première étape, ce premier point, c'est quoi? Ben, ça va être la première tour à activer.
Mais avant, ici, il y a un coffre qui est plutôt intéressant. Allez, beaucoup blin. Merci, au revoir. Ok. Alors, où est-il ce coffre? Je me rappelle plus. Ah voilà. Pantalon ilien, voilà qui est un peu plus confortable et qui nous offre une défense supplémentaire, en tout cas meilleure que le pantalon de base. Ok, allez, direction la tour maintenant. Tiens, il y a un truc qui brille dans l'arbre. À mon avis, c'est encore des œufs. Yes. Œufs de volatile. Alors, est-ce que je les contourne ou est-ce que je les attaque? On va essayer de les écraser. Yes! Ça, c'est tellement satisfaisant. Et ça va nous permettre de récupérer eh bien, un peu de viande et d'équipement. Voilà, on est tout près de la tour, on la voit. Elle est encore dans la terre pour l'instant. Ah oui, c'est tellement bien. La première tour d'une très longue série des tours qui vont nous être extrêmement utiles tout au long de l'aventure. C'est tellement beau.
Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Ok, on va descendre de la tour du prélude, donc là, attention, j'ai déjà eu une première mort ici, parce que j'ai sauté pensant avoir paravoile. Mais non, il faut descendre à pied, et c'est peut-être, et c'est même, la seule et unique fois où il faudra le faire, puisqu'après, eh bien, on se téléportera ou on volera en paravoile. Mais là, pour l'heure, il faut descendre assez prudemment. Voilà, on peut sauter comme ça, ça va aussi. Et regardez qui arrive! Salut! Ok, notre tout premier sanctuaire, le premier sur 120. Il y en a 120 en tout à faire dans le monde d'Hyrule et à découvrir. Certains sont même très très bien cachés ou dissimulés par des missions. Et je vais tous les faire. Donc là, il me dit que si je veux la paravoile, il va falloir que j'aille dans ce sanctuaire. Il me trompe un petit peu parce que c'est pas un sanctuaire qu'il va falloir faire, mais 4. Mais on va se diriger tranquillement vers le premier. Qui fait office de tuto où nous allons apprendre à nous servir des modules de la tablette Sheikah.
Ok, et pour ce premier, ça sera quoi? Punaise, regardez, j'ai que 4 cœurs. Sur la fin, j'étais au maximum. Je crois que c'est 30 cœurs hein, au maximum, ou 32, je ne sais plus. Mais je les avais tous gonflés à bloc, hyper puissants. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Ma Onu te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Sanctuaire de Ma Onu, force magnétique. Donc là, on va apprendre à maîtriser Polaris. Le premier module de la tablette. Qui est d'une utilité folle. C'est un gros aimant qui permet de soulever eh bien, tout ce qui est aimanté, tout ce qui est magnétique et à base de fer. Et là, bah, tout simplement, il faut déplacer ces grosses plaques pour passer en dessous. Oh oh oh, nous avons notre premier mini gardien. Bon, par chance, ceux-là sont très faibles, hein. Mais certains vont nous donner du fil à retordre, surtout quand on aura des épreuves de force extrêmes. Vaut mieux être préparé avant d'aller les affronter. Mais là, c'est super facile. Donc là, ben, il va falloir passer, se servir de cette plaque comme un pont pour arriver au bout de ce sanctuaire. Et voilà le travail, c'était facile pour ce tout premier. D'autres le seront un tout petit peu moins. J'espère que dans le nouveau, on aura également des sanctuaires de ce type à faire. C'est ce qui donne finalement tout le sel et toute la profondeur de ce jeu. C'est de trouver et de résoudre les énigmes de tous ces sanctuaires. L'emblème du triomphe, notre tout premier.
encore 3 et on va pouvoir prier pour augmenter soit notre vie, augmenter un cœur, ou alors augmenter notre endurance. Ok. Parfait. Bon, on va aller reparler au vieil homme, puisqu'on a fait le sanctuaire. Et là, il va nous dire... Ah ah, non, non, pas un, mais 4. Et avant de continuer, nous avons notre première noix de Korogu à trouver, la première sur une longue série, une première sur 900. On a ici un boulet qu'il faut tout simplement mettre dans le tronc d'arbre. Des énigmes comme ça, vous en aurez plein. Et sous plusieurs formes différentes. Et... Papa ! Nom d'une feuille, tu m'as trouvé ! Ah, il dit pas nom d'une feuille celui-là. Ok.
Des noix qui sont très utiles puisqu'elles vont nous permettre d'augmenter la capacité de notre sac pour emmener plus d'armes, plus de boucliers ou plus d'arcs. Ok, première noix. Et il va falloir être très très attentif à l'environnement car ces noix sont cachées un peu partout et des fois très très bien cachées. Il y en a une autre dans la forêt là. Voilà, elle est cachée juste sous ce tas de feuilles mortes qu'il va simplement falloir enflammer pour la découvrir. Et justement, non loin de là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un feu de camp. On prend une torche. C'est aussi ici où on pourra cuisiner de bons plats. Ou alors des plats douteux, tout dépend. Ah, flèche en bois, ça c'est cool. Allez, on enflamme la torche. On soulève le petit rocher. Papa! Nom d'une feuille, tu m'as trouvé, ça y est, il l'a dit. Et de deux, à la revoyure. Ok, nickel. Allez, on va justement s'amuser, faire notre tout premier plat. Un petit champipi. Qu'est-ce que je rajoute? Ah, une sauterelle enduro. À mon avis, ça risque de pas être très très bon ça. Attends, je refais. Un œuf, une petite omelette, plutôt cool, non? Aïe, plat douteux, fumée bizarre. C'était pas forcément la meilleure des combinaisons, mais c'est pas grave. On en fera d'autres tout au long de l'aventure. Oh, on se rend pas compte, ça fait déjà plus de 40 minutes que je me balade dans Hyrule. Et il nous reste encore tellement de choses à voir et à découvrir. On n'a fait qu'un seul sanctuaire pour le moment. Je suis sûr qu'il y a... N'hésitez pas à escalader les rochers. Il y a toujours des petites choses cachées. J'étais certain qu'il y allait avoir un truc. Et un Korogu supplémentaire. Allez, on jette un coup d'œil sur notre carte. Il va falloir qu'on remonte sur
la tour du prélude pour choper et détecter en fait l'emplacement des trois autres sanctuaires. Tiens, bah il est déjà là lui. Il est super rapide, hein. Et pour ça, nous avons une longue vue qui va nous permettre de voir bah, au loin, forcément, et de trouver, et surtout de marquer l'emplacement des futurs sanctuaires. Bon, on les voit. Déjà, on a toutes les tours en orange qu'il va falloir activer. Ça, ça sera pour plus tard, lorsqu'on quittera le plateau du prélude. Mais le sanctuaire, il est là. Allez, on le marque. Bim! Comme ça, on le trouvera assez facilement. Il y en a deux autres. Allez, on y va, direction le sanctuaire suivant, on va s'en faire un petit. Ouf. Ah, j'ai failli tomber là. Là, il faut que je fasse attention parce qu'il me semble, dans mes souvenirs, qu'il y a un gardien activé quelque part dans le secteur. Je crois qu'il est là-bas derrière. On va essayer de l'éviter. On y va! Sanctuaire de Jabazif. Eh ouais, c'est la nuit, il y a des squelettes qui sortent. On va encore se faire ce sanctuaire, les amis. Et ensuite, on va en rester là pour cette première vidéo. Dans la deuxième, nous ferons les deux autres sanctuaires nécessaires pour trouver Paravoile et enfin quitter le plateau du prélude et surtout commencer réellement l'aventure.
Mais avant, je crois qu'il y a... Ah bah oui, il y a un coffre. On va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Un truc super cool qui est apparu avec, justement, le DLC de Breath of the Wild. Eux, on va pas s'y frotter. Je sais pas s'ils sont actifs ou pas. On a un truc super cool. Le maillot Nintendo Switch. Link qui porte un t-shirt de Switch. Ça, c'est pas classe, ça. Honnêtement, je vais le garder pour l'instant. Car j'ai rien de plus. Mais est-ce qu'il est pas... Franchement, est-ce qu'il est pas trop cool comme ça? Sérieux? J'adore. Vraiment, c'est vraiment classe. Allez, on y va, direction le sanctuaire, où on va apprendre le maniement d'un nouveau module. Soif de destruction, ce sont les bombes à distance. Ah, là, les bombes, elles, je les adore. Elles sont vraiment hyper utiles. Donc là, bah, forcément, pour progresser, il faut faire quoi? Il faut péter les rochers. Dès qu'il y a des fissures, ça veut dire que c'est destructible. Et bah, on va d'abord se synchroniser pour mettre notre tablette à jour. Elles sont là, les bombes carrées et les bombes rondes. On y va, on explose tout ça. Ah, espadon du voyageur, ça c'est cool. Ah ouais, ces mécanismes sont classe. Il faut insérer en fait une bombe à l'intérieur pour que la catapulte envoie la bombe au loin et, fasse péter le bloc là-bas. Donc là, vaut mieux prendre une bombe ronde plutôt qu'une carrée, hein, qu'une cubique. Thank you.
Et ben voilà, sanctuaire terminé. Il est pas trop classe avec son t-shirt, ça lui va super bien, on va le garder jusqu'à ce qu'on trouve une armure et une tenue un peu plus forte et un peu plus adaptée. Ok, nous sommes dehors, là bah vous voyez, ça, on peut le péter. Mais le truc, je ne vais pas y aller parce qu'il y a les gardiens. Là, on avait une très très belle image. J'adore faire des captures avec la Switch. C'était donc la première partie du prologue de Breath of the Wild. Attention, là, il y a un gardien. Je me suis vraiment très très bien amusé. Regardez le soleil couchant. Cette vue qui est juste merveilleuse. Sur le côté, au loin, on avait déjà le sanctuaire suivant. Il est juste là, au loin, c'est là que nous allons aller dans la partie 2 de notre prologue de Zelda Breath of the Wild. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir Zelda et donner envie d'y jouer ou de le redécouvrir car vous êtes déjà très très nombreux à y avoir joué. On n'oublie pas les pouces bleus, moi je vous retrouve et bien très très bientôt pour la partie 2 de ce prologue de ce jeu absolument époustouflant et merveilleux. Merci à tous et à très très vite, bye bye, ciao.